nous allons aborder les techniques de lavage et désinfection des mains qu'induisent les précautions standards et complémentaires. Lavage simple des mains, dont l'objectif est d'éliminer les salissures et réduire la flore transitoire. Tenue à manches courtes, ongles courts, ongles nus, aucun bijou. Vous effectuez cette opération systématiquement dès que vos mains sont visiblement souillées après le retrait de gants poudrés et la manipulation de patients. 1. Mouillez mains et poignets. 2. Prenez une dose de savon doux, c'est suffisant. 3. Frottez 15 secondes minimum. Insistez sur les espaces interdigitaux. 4. Rincez abondamment. 5. Séchez par tamponnement avec un premier essuie-main à usage unique. Fermez le robinet avec l'essuie-main si la commande est manuelle. Terminez le séchage avec un second essuie-main. Jetez l'essuie-main dans la poubelle sans la toucher avec la main. Désinfection des mains par friction. L'objectif est d'éliminer la flore transitoire en utilisant un produit hydroalcoolique et ainsi prévenir le risque de transmission croisée. Tenue à manches courtes, ongles courts, ongles nus, aucun bijou, mains sèches et macroscopiquement propres. Vous effectuez cette opération systématiquement avant un contact avec le patient, avant un geste aseptique, après une exposition à un produit biologique d'origine humaine, après un contact avec le patient, après un contact avec l'environnement du patient. Technique par friction en 7 temps. Prenez le volume nécessaire pour couvrir complètement les mains et les poignets. 1. Frictionnez paume contre paume. 2. Paume main droite sur le dos de la main gauche et vice-versa. 3. Paume contre paume, doigts entrelacés. 4. Dos des doigts contre la paume opposée avec doigts emboîtés. 5. Friction circulaire des pouces enchâssés dans la paume opposée. 6. Friction par rotation des doigts joints dans la paume opposée. 7. Friction des poignets. Nous allons aborder maintenant la dernière partie de cette formation. Porter une bague pendant votre activité présente de nombreux dangers pour tout le monde. Vous devez donc absolument enlever bague et alliance durant votre travail. Il existe une excellente méthode si vous n'arrivez pas à les enlever. Passez à l'intérieur de la bague une aiguille courbe avec un fil de suture. Maintenez le doigt et faites tourner le fil autour de la bague tout en tirant légèrement celle-ci. Dans le pire des cas, la bague peut être coupée. Même si votre bague est totalement lisse, une observation au microscope montre que les rayures et minuscules anfractuosités restent des nids à germes. Enfin, aucune religion ne vous impose de porter cette alliance pendant le travail en cas de mariage. Les montres présentant les mêmes risques doivent soit être enlevées, soit être attachées à votre tenue. Si vous ne souhaitez toutefois pas laisser vos bijoux à la maison, vous pouvez utiliser des porte-bijoux type mousqueton ou mettre votre alliance sur votre chaîne. Pour les mêmes raisons, vous ne devez porter ni de vernis, ni de faux ongles. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. N'hésitez pas à le visionner plusieurs fois, puis à bien consulter le tableau récapitulatif à votre disposition.